Bonjour à tous et bienvenue ici au stade des Arboraces de Nice pour cette 24e journée du championnat national. Les Azuréens reçoivent aujourd'hui le club de Dax, actuel 8e de ce championnat. À mes côtés, j'ai le plaisir de commenter ce match avec Maurice Cohen. Maurice, comment vas-tu ? Je vais très bien, Anthony, très très bien. Aussi bien que la météo, ce beau dimanche pascal. Voilà, on souhaite une joyeuse Pâques à tous les téléspectateurs. Alors avant de jeter un coup d'œil aux compositions d'équipe, Maurice, on va revenir rapidement sur les enjeux de ce match. Donc les enjeux sont clairs aujourd'hui. Oui, à trois matchs de la fin de saison, la saison régulière, c'est le sprint final qui est lancé. Si Nice l'emporte, elle est qualifiée et Dax renonce définitivement et mathématiquement à sa qualification. Alors voilà, ouais, les Niçois aujourd'hui, s'ils l'emportent, seront mathématiquement assurés de participer à ces phases finales. Donc ils ne pourront pas atteindre plus haut que la 5e place. Et donc synonyme d'un déplacement à l'extérieur. Hein. Oui, oui, quoi qu'il arrive, le stade niçois restera au mieux 5e ou 6e et donc sera contraint de se déplacer. En fait, l'enjeu, il est vraiment la qualification définitive et mathématique aujourd'hui. Voilà, et ça permettra aussi d'annuler les chances des concurrents qui sont derrière en chasse patate, hein, si je peux me permettre. Tout à fait. En fait, il ne restera plus après ce match que deux matchs et le décompte mathématique ne permettrait plus, en cas de victoire du stade niçois, aux autres de revenir. Alors, dans la dynamique niçoise, les joueurs de Bolgashvili restent actuellement sur deux défaites. Hein. Deux défaites à l'extérieur, mais dont une défaite probante, je dirais, à Valence-Romans, où il y avait quand même du positif à tirer. Une défaite encourageante, effectivement, c'est chez une équipe qui est en tête de ce championnat, et puis surtout des faits de match qui ont fait que la défaite est finalement pas si inquiétante que ça, même si on ne peut jamais se satisfaire d'une défaite. Côté Dacqua, c'est pareil, hein. On reste sur deux défaites, dont une à domicile face au leader la semaine dernière. Eux vont venir clairement avec de grosses ambitions aujourd'hui. Ils n'ont pas le choix. S'ils ne viennent pas avec de grosses ambitions, la saison se terminera mathématiquement. En fait, ils seront en roue libre, donc c'est leur dernière chance. Et ouais, pour les Landais, c'est un match à la vie, à la mort aujourd'hui. Donc au match aller, on va un petit peu revenir sur le match aller. Nice était incliné 22-6. Donc ouais, on s'est entretenu avec le capitaine Nico Tacha juste avant le match, qui nous expliquait qu'il y avait un manque de réalisme. Oui, manque de réalisme, manque d'agressivité, et on sait que ce sont deux qualités qui sont chères à notre capitaine. Voilà. Alors, à quelques minutes du début de cette rencontre, on va analyser, Maurice, si tu veux bien, les compositions des deux équipes qui vont s'afficher sur vos écrans. Donc, voilà, je te laisse la détailler. Alors, à gauche, Lemaire, en deux, Louis Martin, en trois, Johnston, en quatre, Mondoulé, en cinq, Calas. La troisième ligne. Boleni Valou, Freites l'Argentin et le capitaine Nico Tacha. En 9, Bessagué. En 10, Verdu. Voilà, la charnière habituelle. Au centre, Torfs, associé à Ben Mossès, l'anglais qui revient là depuis deux matchs, qui est en grosse forme. Aux ailes, Labo et Goujon. Labo qui est un espoir, hein, qui honore sa première titularisation aujourd'hui à domicile. Et en 15, Le Gall. Voilà pour la composition d'équipe. Voici les remplaçants qui s'affichent sur votre écran. Alors en 16, pardon, ça a été un peu vite pour nous. Le trio d'entraîneurs Jérôme Cassus, David Bolgashvili et Sébastien Bruno. Voilà. Donc voilà côté niçois. On va analyser maintenant la composition landaise. Là voilà. En numéro 1, Louis-Marie. Louis-Marie qui est ancien espoir du stade niçois. En numéro 2, Osuki Beignat. En 3, Stemet. En 4, Loiré. En 5, Gone. En 6, Despio. En 7, Aleti. En 8, Ferrer. En 9, Reto. En 10, Cerisier. 11, De Chavannes. 12, Chelidze. 13, Olé. 14, Lang. 15, Pratt. 16, Del Blancu. 17, Nguinini. 18, Elmbacher. 19, Doucouré. 20, Garousté. 21, Berchesi. Qui est l'ouvreur habituel, hein, l'italien. 22, Gatelier. 23, Ferreira. Et pour finir,
Pizzano, Victor. Pizzano qui devrait a priori pas être dans le groupe puisque c'est le 24e. Exactement. Bon voilà, nous voilà toujours ici aux Arboras. Ça a quelques minutes du coup d'envoi. Les joueurs qui vont sûrement se diriger rapidement dans le tunnel. Donc tu le disais hein, Maurice, des conditions idéales aujourd'hui ici sur la capitale azuréenne. Oui, je pense qu'il y a un petit vent, mais peut-être parce que nous sommes en altitude par rapport au reste du terrain. Mais ce sont effectivement des conditions qui rappellent les phases finales avec la fraîcheur du printemps qui revient et le beau temps. Alors la semaine prochaine, on le rappelle, les Niçois se déplaceront chez un autre concurrent, Chambéry, qui s'est incliné là en ouverture de cette journée, vendredi, face au leader Massy. Donc c'est l'occasion pour les Niçois même de grappiller des places au classement et de repasser devant les Savoyards qu'ils affronteront la semaine prochaine. Oui, à noter quand même qu'ils se sont inclinés en prenant le bonus défensif chez Massy, ce qui n'est pas chose facile. Mais effectivement, mathématiquement, en cas de victoire, le stade niçois repasse devant Chambéry. Mais je pense que c'est assez anecdotique hein, pour l'instant. L'important, effectivement, sera de gagner ce match aujourd'hui. À noter aussi que dans la composition de l'US Dax, nous attendions Alex Toulou, mais manifestement, il ne fait pas partie de la composition. Donc peut-être que... ouais, Alex Toulou, qui est un de ses tauliers de cette équipe, on le rappelle, passé par Montpellier, champion de France en 2018 avec Castres. Donc ouais, c'est un gros manque dans la composition d'équipe. Alors peut-être laissé au repos ou une blessure. Écoute, c'est de bon augure hein, pour les Niçois, mais pour le spectacle, voilà, il manquera un artiste. Alors que ça y est, les joueurs sont dans le tunnel, les Dacois qui vont faire leur entrée sur le terrain à l'instant, suivis par les Niçois. Voilà, le public des Arboras qui encourage son équipe. On le répète, un match de la plus haute importance, côté Niçois et côté Dacois. Ça sent la poudre. La Fédération française de rugby vous souhaite la bienvenue au stade des Arboras pour cette rencontre de championnat de France de national. Bienvenue aux arbitres, monsieur Thibault Santa Maria, arbitre de champ, monsieur Thierry Girard et Christophe Bulté, ses adjoints de touche. Alors, ce sont malheureusement deux hommages que nous devons rendre aujourd'hui. Comme l'annonce le speaker du stade, il y a deux hommages qui sont rendus aujourd'hui. Un hommage à Fabrice Labarrière, ancien joueur de Dax, qui est décédé tragiquement dans un accident de rafting ouais, en début de semaine. Donc nos pensées se tournent vers sa famille, ses enfants et tout le peuple d'Aquois. Et également l'ancien pilier du stade niçois, Mourad Free, qui est décédé il y a quelques semaines maintenant. Tragiquement, lui est emporté par la maladie. Ouais, Mourad qui nous a quittés, qui était un sourire et une joie de vivre sans égal et qui a marqué le rugby azuréen, qui a évolué à Grasse, à Monaco, à Nice, dans plusieurs clubs ici et qui laisse un souvenir indélébile à tous les gens qu'il a croisés sur son parcours. Ouais, Mourad qui avait été également un des artisans de la montée du stade niçois en Fédéral 1. Voilà, on a une grosse pensée pour lui et pour sa famille. On ne t'oublie pas, Mourad. Voilà, voilà, la minute d'applaudissement, c'est terminé. Allez, place au rugby. On espère que vous êtes tous bien installés et qu'on va assister à une belle partie cet après-midi. La récompense au bout, c'est pas des œufs en chocolat, mais c'est une place pour les phases finales. C'est ça. C'est tout aussi bon pour le moral, il paraît. Exactement, ça ferait du bien. Noir. Rouge au club niçois. Allez, c'est parti, l'arbitre qui donne ce coup d'envoi, un coup de pied long de l'ouvreur landais, bien réceptionné par Labo, qui vient fixer à l'extérieur des 22. C'est une sortie de camp qui se prépare. On va refaire a priori un temps avec les avants. Allez, Bissaguet qui organise ça, non, sûrement un coup de pied par-dessus, ouais. Premier coup de pied, il est bien monté celui-là par Bessaguet, la pression
avec un Spratt qui a récupéré, qui était sûr sous ce ballon. Il se réorganise. Le talonneur, au ski. Allez, on écarte. Allez, ça joue bien sur les exerteurs. Bien volé. Nico qui contre. Stémé en percussion. Les Landais qui reprennent le centre du terrain. Restez là, restez dans le dos de la défense. C'est bien joué. Et il trouve une touche dans les 22 mètres. Touche intéressante qui va mettre la pression sur les Niçois. Le Gall qui fait mine de la jouer rapidement. Attention, on va passer devant. Allez, premier lancé de la partie pour Louis Martin. Elle est importante celle-là, histoire de se rassurer. Et Maurice, on voit des Landais qui sont venus avec des intentions de jeu. On l'a dit en ce match, les conditions sont réunies pour voir du jeu. Tout à fait. Merci. Tout à fait. Après, ils ont bien tenu le ballon. Ils ont trouvé une touche intéressante. Ah, ça a été bien capté. Verdu qui va tenter de se dégager. Le ballon qui ne sort pas. Récupéré par l'ailier d'Aqua qui joue avec Pratt. Pratt qui prend l'intervalle, mais bien repris par Bonnelli-Valou. Allez, encore un coup de pied derrière la défense. Le Gall qui récupère, mais qui en est en touche. Ah oui. Là, cette fois-ci, on est sur la ligne des 22, pratiquement. Ça que ça. Et ce sera un lancer d'Aqua. C'est bien joué dans l'alternance côté Landais. On voit ça, ça a sûrement dû être travaillé, ces coups de pied dans le dos. Je pense que la défense niçoise étant relativement bien placée, c'est une option assez naturelle. Le premier lancé de Hoski. Accélère, s'il vous plaît. Ça repart avec les gros. Non, jeu, c'est bon. Le ballon qui ralentit, mais le 9 retour qui se fait la malle dans l'axe. Qui arrive à jouer derrière lui avec son seconde ligne. On est sur les 5 mètres. Dakwa qui se rapproche. Pilonne la défense niçoise qui tient pour le moment. Ah, ballon arraché par Louis Martin. Et une nouvelle fois perdu. C'est dommage. Alors on revient dans le petit. Le 8 qui joue avec Hoski et le talonneur. Premier essai. Essai d'Aqua. Premier essai d'Aqua. Avec un beau mouvement initié par les avant dans le petit côté. Et c'est le talonneur Hoski Beignat qui va inscrire ce premier essai de la partie. Oui, une erreur, un oubli un peu dans l'axe du regroupement. Le 9 a ramassé. Et après, il a joué dans le dos de la défense. Et les Niçois cueillis à froid, là, ici, après même pas 10 minutes de jeu. C'est les Landais qui ont ouvert le score. Alors pour le moment, ça fait 5-0. On va voir si Cerisier va se charger de transformer cet essai. Elle n'est pas facile, elle est sur son bon pied. Mais il a quand même le vent dans le dos. Allez, l'ouvreur d'Aqua qui se prépare pour cette transformation. Elle est bien trop à droite celle-là et on en reste à 5-0 ici aux Arboras. Avec un coup de renvoi pour le stade niçois. Allez, 5 minutes ici aux Arboras et c'est Dax qui mène 5-0. On va voir la réaction des Niçois. Le coup d'envoi qui va être donné par Verdu. Beau coup de pied. Tapé dans les 22. Belle montée de Nico Tacha. Qui a chassé l'ailier d'Aqua. Ce serait bien de mettre la pression. On repart avec les avants. Pour faire une sortie de camp afin de sortir les trois quarts éventuellement pris dans le regroupement et pouvoir leur permettre de monter sur le coup de pied. C'est Roto qui va trouver une petite touche.
hauteur, je dirais, des 30 mètres. Côté. Allez, les gars. Ouais. Exactement, à hauteur des 30 mètres dans le cadre de quoi. Décale un peu, s'il vous plaît. Merci, super. Allez, ce serait une belle occasion pour les Niçois de mettre la main sur le ballon, sur cette première phase réelle d'occupation hein, dans le camp landais. Tout à fait, puisqu'on n'est pas sorti encore de notre camp sud. Bien capté par Mandoulé. Bolini Valou qui s'était placé dans l'alignement. Verdu qui écarte pour Moses, qui fait jouer Freites. Le colosse argentin qui avance, qui gagne des mètres. Calas, Hugo Verdu, on joue encore dans le dos. La belle sautée pour Labo. On le rappelle qui honore sa première titularisation aujourd'hui ici à Nice. Oh, terminé, rouge. Qui est plaqué sur la ligne des 22. Ballon Verdu, un peu lent. Mandoulé. Ah. Et qui perd le ballon. Attention. Dax va quand même jouer le contre. Ah, le pilier. Louis-Marie. L'arbitre a conservé l'avantage. C'est terminé pour l'avantage. Noir, les mains, noir. Ce sera une pénalité. Au sol. On l'a entendu annoncer. Quatre appuis au sol. Mandoulé qui n'était pas sur ses appuis. Quatre appuis au sol, on gagne l'espace. Ah non, Bonelli Valou qui n'était pas sur ses appuis. Tu peux peut-être expliquer, Maurice, cette règle. Ben en fait, pour pouvoir jouer le ballon, il faut rester sur ses appuis ou aller directement avec les mains sur le ballon et ne pas poser ses appuis au sol. Merci pour ces explications. Et ce sera du coup un lancer d'aqua à hauteur des 40 mètres. Sortez, sortez, sortez. C'est Beniatowski qui s'en charge en fond d'alignement, c'est bien joué, on écarte. Point de fixation une fois de plus, un troisième ligne qui s'était intégré dans la ligne d'arrière. On n'a pas réussi à mettre les mains. Ça lâche pas le ballon au sol là pour le coup parce que Marcin Freites est bien debout. Et il réussit à gagner la pénalité. Il s'est remis, il n'y a pas de souci. Ballon gardé au sol. Marcin Freites hein, qui est toujours omniprésent dans ses phases de duel. Très important hein, l'Argentin dans l'effectif niçois. Et très adroit techniquement en plus. Un joueur très complet. Verdu face au vent. Qui cherche une touche et qui ne la trouve pas. C'est récupéré par Pratt. On revient les rouges. Une munition. Qui revient dans les bras d'Hugo Verdu pour la relance avec le Gall, peut-être. Non, alors il garde il le ballon. Un intervalle, Verdu qui fait jouer derrière lui. C'est joli, Moses qui met les cannes. Est-ce qu'il va jouer sur l'extérieur? Le petit coup de pied. Coup de pied pour lui-même. Les Niçois qui réclament une obstruction. Alors d'ici, on n'a pas bien vu. Ce sera un renvoi dans but. Ça sera un renvoi dans but, oui. Mais c'était bien joué, hein, la relance de l'ouvreur niçois Verdu. Qui arrive à faire jouer derrière lui avec Moses. Petit coup de pied rasant. Était un petit peu trop appuyé. Plus vite rouge, s'il vous plaît, plus vite. Allez. Le ballon qui revient encore dans les bras de Le Gall. Qui vient chercher Verdu dans l'axe du terrain et Marcin Freites. Freites qui vient en percussion. Mais qui était attendu par la défense d'Aquoise. Allez, on reste dans le sens. Verdu pour Le Gall. Allez, Torfs qui prend l'intervalle, qui rafute, qui avance. Le centre niçois qui arrive à passer pour son demi-mêlée. Allez, on est dans les 22. Non, derrière. Rapidement, c'est le Boujon cas. Boujon en relais. Avantage hors jeu, 8 rouges. Avantage annoncé par monsieur l'arbitre. Bessaké avec le maire. Allez, les Niçois qui ont mis la main sur ce ballon, qui avance. Un nouvel avantage signalé par monsieur l'arbitre. Derrière, derrière, derrière. Verdu qui écarte. Il y a peut-être un. Dommage. Il a essayé de jouer derrière lui, ça joue encore. Verdu qui récupère la main. En avant. Et on reviendra à la pénalité. Huit rouges sur le retour hors jeu. Beau mouvement initié là par les Niçois. Huit rouges. Qui arrive à jouer après contact.
et qui mettent la défense sur le reculoir. Ouais, on voit que quand on met du mouvement et de l'intensité, les Dakois Poto. Sont mis à mal. On voit des mains sur les genoux déjà. C'est une séquence qui va laisser des traces. Tout à fait. Après, c'est le lot de tout le monde. Hein. Quand les ballons sortent vite en avançant, c'est compliqué de défendre. Ouais, c'est nickel. Allez, les Niçois qui décident d'être pragmatiques. Les points sont faciles à prendre en face des perches. Enfin, aucune pénalité n'est facile à prendre, mais ça là devrait être dans les cordes de l'ouvreur niçois. Merci. Les joueurs de Bolgashvili qui ont l'occasion de revenir à deux points des Dakois. 30 secondes. Tout à fait, ils ont l'occasion de se payer de ce beau temps fort. Et ça passe pour l'ouvreur niçois. 3 à 5 ici aux Arboras, après cette pénalité réussie par Verdu. Allez, les Niçois qui ont belle réaction de leur part. Hein. Oui, tout à fait, une belle réaction après avoir été un peu cueilli à froid et sur une erreur de défense derrière le ruck, dans l'axe du ruck. Ils sont revenus un peu au score. Allez, Cerisé qui engage. Une nouvelle fois, un long coup de pied. Contrôlé difficilement par Labo. Et Torfs. Stop. Long coup de pied au centre du terrain pour dégager les siens. Mais la vague d'Aquas qui va revenir. Reculez les rouges. Chandelle. Reculez. Faut se parler là. Belle adresse encore. Vous la rentrez. Justin Faites. On revient tout voir. À l'heure. Stop, bougez pas. Le troisième ligne centre niçois. Allez, Cerisé dans le petit côté. Ouh. Qui tente une croisée. Chistera n'a pas été bien lu par son partenaire. Mais ils s'en sortent quand même, les Dakois. Allez, on repart avec du jeu d'avant. C'est ça, bougez pas. Roto qui choisit un coup de pied par-dessus. Bien repris par le gars, l'impérial dans les airs. Magnifique, il avance. Il libère en avançant. Derrière. Ça sort pas très vite, mais dommage. On doublé avec Freites, encore lui. Le ballon là. Attention, contre-ruck. Messaki qui revient dans le petit fermé. Johnson. Allez, bien joué. Encore Johnson. Il la conserve au sol. Messaki qui écarte sur Verdu. Le maire. Tranchant. Qui fait jouer derrière lui. Ballon qui est pas tenu. Et qui avance. Quel début de match hein, de Martin Freites. Effectivement. Oh là Verdu là. Dans le dos. Ici, 10 rouges hors jeu. Oui, il y avait le 10 rouge qui était hors jeu, qui campait dans la ligne et qui a manifestement gêné la transmission. Un beau mouvement encore. On voit beaucoup de offload, de passes après contact qui permettent qui fait d'ouvrir des espaces et de gagner du terrain. Tout à fait, quand on arrive à jouer en avançant et à mettre la défense sur le reculoir. Allez, une nouvelle fois, les Niçois qui prennent les poteaux. C'est très bien, on vient dans leur terrain, on prend les points et on repart. Celle-ci est peut-être un petit peu plus compliquée que la première. Mais elle est dans les corps de Hugo Verdu, le demi d'ouverture niçois. Avec, on le rappelle, un petit vent de face qui vient de la droite vers la gauche de votre écran. Et on note une grosse activité hein, des avants niçois qui sont en train de peser sur la défense niçoise, Maurice. Tout à fait. Ils se sont repris là, clairement. Ils mettent leurs homologues sur le reculoir. Allez, c'est parti pour Verdu. Et ça va passer. Nice qui prend l'avantage ici aux Arboras et qui mène désormais 6 à 5. Allez, important la réception pour les Niçois qui mènent désormais après un quart d'heure de jeu. Freites encore lui
qui remet de l'avancée. Il sort sur les 22. Sors, sors, sors. Bessaké pour Verdu. On la rentrée. Bougez pas, 4. Il choisit le centre du terrain une nouvelle fois. Dans les bras du 10. Allez, Prat à la relance. Petit coup de pied par-dessus de l'arrière d'Aqua. Bien il s'est récupéré. À... Tête noire, obstruction. Le 7 noir qui coupe la route au rouge. Ah, c'est Nico Tacha qui est sanctionné. Le capitaine 7 noir escorte. Pour un écran. De toute façon, il y avait un à avoir repris devant. Je pense qu'on pouvait difficilement échapper. L'un dans l'autre. On pouvait difficilement échapper à la pénalité. Allez, Cerisé. Qui lui choisit la touche. On le rappelle, hein, les Dacois qui n'ont pas d'autre option que la victoire aujourd'hui. Donc, S'ils veulent continuer à espérer dans ces qualifications en phase finale, ça passe pour eux par une victoire ici. Vous avez le ballon là, les mecs. Allez, nouveau lancer pour Oski Beignat. Soit qu'ils choisissent de ne pas contrer en touche et d'attendre. Et en avant, choix payant. Avant. La touche est terminée, ouais, entre sauteur et le talon. Tu peux expliquer, Maurice, aussi. Là, passe en avant, entre sauteur et le talon. C'est le fameux mol fantôme sur touche. Tant qu'il n'y a pas de mol constitué et que la touche n'est pas finie, personne ne peut jouer. Et là, le joueur d'Aqua a choisi d'avancer. Il n'y a plus de ligne de hors-jeu, on a le droit de le plaquer. La marque est là, les gars. Merci pour ces précieuses explications. Allez, mêlée, est-ce que ce ne serait pas la première mêlée du match? Il me semble bien, oui. Je n'ai pas souvenir d'en avoir vu. 3 Allez, on va voir cette première mêlée. On va voir Marie à l'œuvre. Flexion. Et l'ancien niçois. Lié. Qui joue à gauche de la mêlée d'Aquoise. Les gars, on est à Lié. Là-bas, on est déjà engagé. Je vous donne l'espace, je vous l'ai déjà dit. Il a Johnson. Okay. C'est pas la peine de le regarder, c'est moi qui arbitre. Ok, je vous dis, je vous donne de l'espace. Merci. On y va. Allez, les gars. Et cette mêlée qui va. Être joué après les instructions de M. Lavi de Santa Maria. Fille 3 Flexion. Lié. Jeu. Le ballon qui a été introduit par Bessaké. Restez là, restez là. Restez là. Non, combien mais pour le moment. Torse. Il fait un point de fixation. Bessaké, aura. Qui essaie de s'échapper. Vous êtes en dehors des 22. C'est bien joué. Des 22. Par contre, on ne peut pas taper direct en touche. Pour la rentrée. Hein. Sinon, on reviendrait une touche d'Aquoise à l'endroit du coup de pied. Derrière les gars, s'il vous plaît. Derrière, là. C'est Verdu qui est derrière ce regroupement. C'est pas dehors. Il fait okay, une belle chandelle. Dans les bras du 15. Là, un énorme coup de pied, hein. L'ouvreur niçois. Ça fait du bien pour l'occupation. Oula. Alors que l'ailier d'Aqua qui se fait la malle, qui évite 1, 2, 3 plaquages. Ballon levé. Oula. Cerisé une nouvelle fois, qui tente une croisée. Non, 3, 3. Et d'Aqua qui essaie de conserver de la vitesse, mais. Mais au sol. Une seconde ligne qui prend le cœur du ruck, on avance. C'est un ballon très long. Donc on va, ils vont repasser par, par une cellule. Alors Otoki écarte sur Cerisé. Cerisé qui prend l'intérieur. C'est pas normal là par contre de se faire prendre l'intérieur. Le ballon est perdu, récupéré côté niçois. Avantage pour en avant. Nico Tacha qui a récupéré le ballon. Il va falloir faire attention à ce demi d'ouverture Maurice parce qu'il a des petits crochets courts. Il revient souvent intérieur. Pas les mecs. Oui, puis là c'est un peu dommage de se faire prendre au ras du regroupement sur un vol qui était arrêté à un abandonné. Valou. Pas l'avantage. Dommage, le gars qui avait essayé de transmettre. Mêlée. Abonné Valou, la passe était peut-être un petit peu. Un petit peu dans les chevilles. Ouais. Allez, allez. Allez, nouvelle mêlée, introduction d'Axe. Première ligne. Alors qu'il y a de la casse, un peu. Ils ont le droit de taper le ballon vers l'arrière. Ouais, c'est pas une faute. C'est la réflexion. Ouais, pas de soucis.
Voilà, c'est Johnson qui est au soin peut-être pour reprendre un peu son souffle et ses esprits. C'est possible. On répète, hein, il fait très chaud aujourd'hui sur Nice. Donc les organismes seront mis à contribution. Et puis il y a quand même un peu de rythme. Hein. Bon. Si, c'est vrai. Allez, que là, ces premières 20 minutes ont été très plaisantes. Avec du jeu et des envies de part et d'autre. Dans la règle, ouais, vous le faites remarquer. Je vais regarder, mais pour moi, c'est plus du contest mal exécuté que vraiment une faute pour vous ralentir. Ok, je vais regarder, il n'y a pas de problème. Comme vous l'avez fait une paire de fois, je triche, je parle, mais il n'y a pas de souci, je regarde. Député de la Poix, Aleti qui demandait quelques conseils. Mais les rouges. Ou quelques explications plutôt à l'arbitre. L'arbitre très pédagogique. Sur les arbitres, sortez notamment. On reprend, merci. Quand vous voulez, les gars, on y va. Allez, mêlée, introduction d'axe. C'est donc la deuxième, si on a bien suivi. Exactement, c'est ça. Et nouvelle introduction, pardon, pour Reto. La première avait été très stable. Flexion. Lié. Avec l'introduction niçoise, cette fois-ci, elle est d'Aquoise. Je. Elle est stable pour le moment. Elle bouge pas derrière, beaucoup, derrière. Effectivement. Belle combinaison. Ouais, mais bien lu par la défense niçoise qui est passée au travers, qui s'est pas fait leurrer sur le bloc. Et qui bloque le ballon. Qui bloque le ballon debout. Et ce sera une mêlée. Ce sera une mêlée. Très belle défense. Niçoise. Avec encore Martin Freites dans le coup. Ouais, il est vraiment omniprésent depuis le début du match. C'est lui qui était au ballon et qui a tenu le joueur debout. Et comme tu l'as dit, Maurice, une très belle lecture hein, de la défense niçoise qui ne s'est pas fait prendre par le leur. Le 9 Roto, du coup, qui a été pris dans l'étau. Allez, mêlée, introduction niçoise. David Bolgashvili qui réclame de l'impact en mêlée. Gage en suivant sur... Lui qui était un spécialiste dans ce secteur. Tout à fait, et puis je pense qu'il présume que Johnson doit quand même avoir un impact supérieur sur son vis-à-vis. Je qu'il connaît bien. Allez, Niçois. Jouez-le. Pour avancer un libéré. Petit peu. Verdu. Le 12 qui va trop loin, qui coupe le rouge. Il y a un écran de 12 noir qui va trop loin, qui empêche le rouge de circuler, écran. C'est dommage, c'était pas mal fait. Touche. 12 noir devant le porteur. Combinaison entre le numéro 9 niçois et son demi d'ouverture. Malheureusement, Torse se met à la faute. Donc les Dakois qui vont prendre les points. Ouais, parce qu'il... Après avoir pris deux fois la touche. Ils décident de changer leur fusil d'épaule et d'être un peu plus pragmatiques. Avec le vent dans le dos. Ils ont changé de buteur. Hein. C'est l'arrière Martin Pratt qui va se charger de cette pénalité. Peut-être qu'il a plus de longueur. C'est, probablement. Qui s'élance et ça va passer. Et Dax qui reprend l'avantage ici aux Arboras 8-6 grâce à cette pénalité de Martin Pratt. Les Dacois qui ont su comptabiliser et qui profite de l'indiscipline niçoise. Allez, c'est reparti. Verdu qui engage. Un long coup de pied. Il vise toujours l'ailier d'Aquois. Qui est une nouvelle fois bien pris par Nico Tacha. Ballon gagné. Ballon gagné. Beau contre-route, oui. Le maire qui revient dans le cœur du...
Molle. Ah, c'est un molle, c'est-à-dire que si elle passe au sol, ce sera une mêlée pour Dax. Voilà. C'est ce qui est le cas. C'est ce qui s'est passé côté niçois tout à l'heure. Même situation que là-bas. Plusieurs rouges, plusieurs noirs. Moins l'improductif. Mêlée pour les rouges. Allez, on y va, s'il vous plaît, plus vite. On perd du temps, les gars. Des erreurs d'inattention sur le premier essai où effectivement on s'est fait prendre dans l'axe du ruck. De l'indiscipline sur les trois points. Et là aussi, un peu d'indiscipline. Et attention, hein, parce que des phases finales, ça se joue à des détails. Hein, donc attention à Niçois, rectifier le tir. C'est bon, les gars. Pour le moment, rien d'alarmant. Il y avait peut-être mieux à faire que de repartir dans le club de... C'est bon, les gars ? De ce ballon arraché. Flexion. Lié. Jeu. Oh non, il est talonné, le ballon, monsieur. Allez, la pression de Niçois. Beau pressing de la cuisine niçoise. Jouez le ballon. Jouez le ballon. Chapeau. Qui joue avec ses avants encore. Non, lui, c'est pas aimé. Et ça permet aux trois quarts de se sortir. Et de mettre le 10 dans un fauteuil pour se dégager. Bon. Très beau coup de pied de l'ouvreur d'Aqua. Ouais. Qui s'est appuyé sur le vent. Le vent qui, j'ai l'impression, a changé de sens. Hein. Peut-être un peu trop violent. Vas-y, il m'attrape. T'étais sérieux en fait, hein? T'étais sérieux? Rentrez s'il vous plaît. Donc ce sera une touche niçoise. Là, c'est Louis Martin. Belle prise. Alors, vous pouvez voir sur le plan large, à nouveau, des avants ben qui Moses. Se sont... Pas plaquage complété. Qui est dans la ligne des trois quarts. Qui a réussi à placage passer. Reste un plaquage. Mais ça qui est pour Martin. Martin en relais pour Verdu. Verdu avec Labo. Il avance le petit ailier de poche. Restez là, restez à 8. Entre Rug d'Aqua. Non. Et oui. Et ouais, ils étaient dans la règle. Hein. Entre Rug d'Aqua qui nous a mis en difficulté. Ils ont pris l'axe et turnover et derrière les niçois. Le plaqué qui est au sol, qui récupère le ballon et le ramène dans son camp ensuite. Voilà, très bien. Après le contre-rug. L'arbitre. Et voilà les d'Aqua de nouveau dans le camp niçois et qui vont prendre la touche. Sur les 5-10 dernières minutes, ils ont remis un peu la main sur le ballon, ils impriment un peu leur rythme. Non. Les Niçois leur ont bien rendu la tâche facile hein, en rendant les ballons sur de l'indiscipline, des mauvais choix. Sortez un peu rouge. Et puis là, ils se le sont pelés sur le contre-rug, sortez. Merci. En mettant les Niçois à la faute. Ouais, on en parlait en avant-match, c'est une équipe très agressive, qui met beaucoup de volume dans son jeu, donc... J'ai l'impression qu'elle n'est pas très droite. Non, c'est pas droit. Et historiquement, hein, Dax est quand même un club fort hein, du rugby français. Ah oui, c'est un club historique. Hein, on peut remonter jusqu'à Albaladejo. Enfin, en tout cas, moi, je peux remonter qu'à lui, mais je pense qu'il y a encore d'autres plus grands anciens. Sur les 15, c'est un club qui a vu sortir et éclore Olivier Roumat, Laurent Rodriguez. Et puis plus récemment, Richard Dourt. Quelques illustres personnages du rugby français. Olivier Magne, je crois qu'il a joué aussi là-bas. Fabien Pelous. Yann Tivoli, je crois qu'il a été formé Et le plus illustre de tous, Yann Tivoli, bien sûr. Jimmy Scholz aussi. Jimmy Scholz. Je figure du rugby azuré. Mon ami Laurent Fabini, que j'embrasse très fort, s'il nous écoute, à Dax. Ah. Hop, on fait mêlée, si. Alors, on va refaire cette mêlée. Ouais, on m'a alerté sur un comportement des rouges à mêlée. Votre 8, c'est pareil. Il a une position, il garde la position, s'il vous plaît. On refait là-bas. Alors qu'on apprécie hein, les instructions de l'arbitre qui est très, là, très pédagogue. Il est très pédagogue et très juste dans ses remarques. Il fait remarquer habilement aux deux équipes que si effectivement il est attentif aux fautes adverses, il sera aussi attentif C'est bon aux nôtres.
Et c'est très bien, on va pas s'en plaindre. Flexion. Ça aide à la fluidité du jeu et à la compréhension. Donc, Lié. Bravo à monsieur Thibault, ça jeu. Les gars, on a joué 5 mêlées, c'est quoi le problème? On ne veut plus les jouer? Très bien, on s'y remet. Ouais, depuis le début du match, ce secteur était vraiment stable. Et... c'était très propre, effectivement, c'est la première où il y a quelques difficultés. Mais il avait senti venir. Hein. Flexion. Lié. Allez, 31 minutes de jeu ici au Jarboras. Mêlée introduction, Nice. Là, on voit le. Oui, c'est lui, Marie, qui. Le 1 rouge, coup d'en bas, il amène au sol. Qui cède un peu sous la pression de Johnson. Qui saute pas un peu. Un rouge, coup d'en bas directement, il travaille jamais avec le coup d'en haut. Ah, tu l'expliquais tout à l'heure, hein, Johnston, pilier d'expérience. Il a énormément d'impact et qui normalement devrait avoir le dessus sur ce pilier un peu plus jeune, mais très prometteur. Tout à fait, bah, celle-là, on est vraiment sur des postes où la maturité normalement compte et paye et joue. Et là, je crois que c'est ce qu'on a vu sur cette mêlée. Il faut être humble sur les mêlées parce que ça peut changer rapidement d'une mêlée à l'autre. Exactement. Bien capté. Par Kala, Signacio. Ignacio qui choisissent de prendre les Dakois dans l'axe, mais ils sont gênés. Ils hein. sont contrés. On est obligé de passer par le sol. Allez, Bessaké pour Kala, c'est encore lui. Ouais, la Kala qui a avancé, qui a remis derrière, dans le sens. Les Dakois qui sont quand même à la limite du hors-jeu. D'ailleurs, ils sont plus qu'à la limite. Dakois ne sort pas. Non, il deux pas fois, vous êtes hors-jeu et ensuite vous sortez pas. Hors jeu et un supplaqueur ne sort pas. Il y avait hors jeu quand même, on l'avait bien vu. Allez, voilà, 6-8, 3 points. Okay. Allez, on continue. Poteau. Et les soins qui prennent les points. Hein. Allez, c'est bon boulot. Qui continuent dans leur logique du début de match. C'est la plus difficile celle-ci par contre. Hein, des trois ouais, commencent à être éloignés. Un peu plus de 45 mètres. Pas totalement en face des perches, mais sur le bon pied de Hugo Verdu. On l'a dit au début du match, il a un sur très gros coup de pied. Je ne récompense pas pour deux choses. Mais... Ah ouais, mais ça récompense pas pour deux choses. Non, parce que je suis obligé de rentrer un peu sur lui. Non, mais enfin, moi, donc, il n'y a rien. On m'avait raté un comportement des rouges. Le 8 a fait exactement pareil, donc il reste dans sa position. Ouais, votre 8, il a changé de position. Ah oui, non, mais ça. Ah, bah, je ne savais pas. Vous parlez du pilier gauche qui met le genou. Voilà. Il attend que. Soit un peu plongeant et il remonte. Je suis côté gauche, là je suis côté gaucher là. Ah là bah, il est intelligent, hein, c'est son jeu, il ne va pas le mettre devant vous. Alors qu'on entend l'échange entre Nico Tacha, le capitaine niçois et monsieur l'arbitre. Et Nico qui râle après, enfin qui râle, qui fait remarquer la position litigieuse du pilier gauche Louis-Marie. Et Verdu, gros coup de pied une fois de plus et ça passe largement entre les perches. Et il permet à Nice de repasser devant 9 à 8, ici à 5 minutes de la fin de cette première période. Énorme coup de pied hein, de l'ouvreur niçois. S'il y avait 10 mètres en plus, elle passait. Hein. Oui, très très beau coup de pied, effectivement. Allez, Nice qui reprend l'avantage. À la 35e minute, Freites à la récupération, qui se précipite pas, qui fait un point de fixation. Non ! Oh là là. Ce qui va permettre après, ça va au sol, ça tient pas le point. Bessaké de mettre Verdu dans un fauteuil et de dégager non, les deux. Ils ont pas bougé, il y a jeu. Non, mais très gros coup de pied, mais il trouve pas la touche. Récupéré par Prat, qui va remettre du jeu au pied. Freites encore en dessous. Ils vont être à la lutte voilà. Les deux, oh, Freites. Quelle adresse. Copie parfaite hein, du troisième ligne. Ah, quel sol, dommage encore de l'indiscipline. Tout le monde au sol, debout. J'allais louer la performance de Martin Freites dans cette première période. Tout le monde au sol, c'est pas lui, hein, c'est le maire qui plonge. Et les Niçois qui redonnent une belle occasion au Dakois de repasser devant, malheureusement. On aurait aimé qu'il conserve cet avantage debout. Avant le retour au vestiaire.
Otto. Ils offrent une belle munition hollandais. Et à Pratt qui reprend le coup de pied. Ouais, c'est dommage. C'est dommage après avoir bataillé pour repasser devant de relaisser l'occasion au Dakois de reprendre le score. Et oui, c'est une très très belle munition, pratiquement en face des perches, à moins de 40 mètres. Le vent qui s'est arrêté pratiquement. Et elle passe à droite. Passe à droite oui. Elle passe à droite. Martin Pratt qui rate une belle occasion de remettre son équipe dans l'avancée et de reprendre le score. On va pas s'en plaindre côté niçois. Certainement pas. Les conditions étaient peut-être trop bonnes. Ça doit être ça. Allez, Verdu. Qu'est-ce qu'il va choisir ? Il va taper loin. Un peu rasant. Ouais. Le disque réceptionnel sponsorisé pour son Ruiz Ferrer. Ruiz Ferrer, plaquage haut de Calas. Le troisième ligne, centre, repris un peu haut. Et c'est joué rapidement par Roto, le virevoltant numéro 9 d'Aqua. Allez, faut. Il y a un petit surnombre sur les extérieurs. La belle oui, sautée, ouf. Oh dommage. Dommage, c'était bien vu. Ouais, pas comme Goujon qui était monté jouer l'interception parce qu'il avait vu le surnombre. Et il avait été battu, heureusement, pour les Niçois. Là, il y a cet en avant. Cet en avant de David Lang, l'ailier d'Aqua, qui n'arrive pas à se saisir du cuir, au plus grand bonheur des supporters niçois. Parce qu'il y avait, il y avait une belle situation. Il y a plus grand monde dans le couloir. Ouais, on a vu pas comme Goujon qui était monté en pointe. Malheureusement, il rate le ballon et derrière, c'était limite un 2 contre 0. Hein. Allez, ce serait bien de se rassurer côté niçois dans ce secteur de la mêlée. Il reste quelques minutes avant que monsieur l'arbitre envoie les 30 acteurs de ce match au vestiaire. Ce serait bien de conserver ce mince avantage. Un coup franc. Bras cassé, rapidement joué par Reto, avec Cerisier qui écarte pour son centre. Et c'est perdu, il perd la balle. Non, il y a un en avant. Il y a un en avant sur le. Sur l'arrachage de Jensdorf. Jensdorf qui était monté très fort extérieur pour couper les extérieurs. Qui a réussi à perturber l'attaque d'Aquoise et qui était pas loin de réussir à arracher ce ballon. Rien n'échappe à M. Santa Maria. Allez, nouvelle mêlée. Et une deuxième partie de mi-temps, pardon, un peu moins fluide et un peu plus hachée que les 20 premières minutes, Maurice. Oui, je pense qu'on peut, je vais un peu payer le rythme imprimé en début de match. Allez, une mêlée qui prend son temps. Mais elle ne bouge pas. Défense bien en place. Des Niçois. Allez. Le ballon est sorti. Freitas l'avait vu. Nico Tacha qui vient batailler dans l'axe. On va pas se mettre à la faute. Mobilité dans l'axe. Allez, pas comme. Pas comme Goujon qui est surpris par le. Par la ballon. Trajectoire du ballon, ouais. Et qui va concéder. Non, qui concède pas la touche. Si, il concède la touche. Si, il concède la touche. Il me semblait bien qu'il l'avait touché. Peut-être un petit peu gêné par le vent. Trajectoire flottante de ce ballon. Qui ne permet pas de se saisir du cuir. Allez, les Niçois qui sont une nouvelle fois mis sous pression dans leur camp à l'entrée de leur 22. On a choisi de sauter, mais Calas n'a pas bien lu la,
Allez, belle percussion de Aleti, le capitaine. On est passé. Voilà, on est tombé de côté d'Aqua. Ça va permettre à Hugo Verdu de dégager le clan niçois, mais en fait, comme c'était la fin du match et pour pas qu'on joue la touche, il a joué un peu avant et tapé en touche derrière. Et voilà, mi-temps ici à Nice, où le stade niçois mène 9 à 8. Un match serré, hein. Maurice, là, cette première mi-temps. On a vu les Dacois qui ont mis la main sur le ballon, puis après les Niçois qui ont réussi à bien enchaîner, qui ont mis à mal la défense landaise. Et ça annonce une deuxième mi-temps sous haute pression et haletante. Hein. Tout à fait. Après, les Niçois ont peut-être pêché par indiscipline, je pense, notamment sur les sorties de camp après les coups d'envoi, après avoir marqué. Et ils se sont remis assez rapidement la pression et ont permis aux Dacois de... Messieurs, avec Nicolas Lemaire, Nico, début de match compliqué, on a l'impression qu'il fait très chaud et difficile de mettre du rythme. Ouais, donc les premières chaleurs, ça fait un peu mal... Mal aux, jeux, mal aux jambes, mal au cœur, mais si on est plus propre dans les rucks, si on est plus solide entre nous sur les poutres et sur les grattages au sol et qu'on conserve les ballons, on a vu 2-3 fois, on s'est approché dangereusement de la ligne. Et il faut garder ça, il faut gommer le reste en seconde mi-temps. Et franchement, ça va le faire pour nous. Merci Nicolas. Alors voilà, on a recueilli les impressions du pilier, Lemaire. Donc il y a un petit peu la même analyse que nous, hein. C'est les conditions météorologiques aussi qui sont en train de peser sur les organismes et qui ne facilitent pas la progression des Azuriens. Tout à fait, ouais. On avait bien vu effectivement que les premières chaleurs sont quand même compliquées et surtout avec des bonnes intentions au niveau du jeu des deux équipes en début de mi-temps et légitimement les organismes souffrent plus rapidement. Voilà, donc on espère que les Niçois vont revenir avec de belles intentions. Tu penses que sur cette deuxième mi-temps, qu'est-ce qu'il va falloir changer pour que les Niçois prennent le large et s'assurent cette victoire très très importante pour la suite du championnat? Je crois que Nicolas Lemaire l'a bien dit, hein, c'est la discipline et l'application qui devrait faire la différence. On a vu quand même des mouvements niçois beaucoup plus élaborés, beaucoup plus construits, beaucoup plus efficaces, notamment dans l'avancée. Pas forcément payé encore comme il l'a fait remarquer et des Dacois qui se sont quand même nourris des fautes notamment sur les sorties de camp après les coups de renvoi des Niçois, hein. Donc effectivement je partage ton point de vue, si continue à être plus propre et plus efficace, ça devrait le faire. Allez, on vous laisse vous restaurer et on vous retrouve pour cette deuxième mi-temps ici aux Arboras. À très vite. Et nous voilà de retour ici aux Arboras, où Nice mène face à Dax 9 à 8. Les acteurs qui refont leur entrée sur scène. Tout à fait, avec le retour des arbitres. Allez, les gars, on y va, là. Oh, oui, énervez-vous un peu là les gars. Oh, on entend en fond les encouragements de l'entraîneur David Bolgashvili. Qui compte énormément, hein, sur la victoire de ces joueurs aujourd'hui, qui, on le rappelle, serait synonyme de qualification pour les phases finales de ce championnat national. Alors, il semble qu'il y ait quelques changements, puisque il me semble voir le... En première ligne, ouais. En première ligne. C'est Neparidze, hein, le pilier géorgien qui a fait son entrée. Et oui, alors, je pense pas que ce soit Farépol le 19. Allez, bien capté par les Dacois. Également. Il me semble que ce niveau-là est rentré aussi. Le Gall. Allez, le Gall. Qui joue dans le petit pour la Beau. Qui passe dans un trou de souris, le Gall. Mais qui est emmené en touche. Par contre, il y a plaquage là. La belle défense des Dacois. Dans le côté fermé. Qui va donner le premier lancé de cette deuxième mi-temps. Par Benyat Oski. Un nom un peu à consonance basque. Un prénom surtout. Un prénom surtout, ouais.
Allez, c'est bien joué, côté d'Aqua, sur les équipes écartes, un point de c'est bien lu, Bonnevalo. C'est neuf là qui anime pas mal autour. C'est le plus dangereux, je trouve. Ouais, retour. Ouais. Mais là, il s'est fait arracher le ballon par Nico Tacha. Bonnevalo dans l'avancée. Allez, beau turnover côté niçois. Un ballon qui tarde à sortir. On est obligé de refaire un temps lent. Le Gall passe un peu dans les chaussettes, qui met Verdu en difficulté. Sous pression. Qui arrive à trouver Goujon sur les extérieurs, qui fait parler ses cannes, mais il est repris, le petit ailier de poche niçois. Allez, Bessaké qui remet la main sur le ballon. Ouais, Neparidze, le nouvel entrant. C'est dommage qu'on a perdu 40 mètres. Un ballon lent. Bessaké qui va sûrement jouer par-dessus. Et c'est fait. Joli coup de pied par-dessus, mais qui rate directement en touche. Eh oui. Et du coup, on reviendra à l'endroit du coup de pied. Du coup de pied. Avec un lancer d'Aqua. Exactement. Alors que les tribunes se re-remplissent. Les supporters sont passés au ravitaillement. Ouais, un peu dommage que les Niçois n'aient pas réussi à conserver la vitesse au ballon. Duel dans belle les pression, airs. Bob pressing en touche, après la touche aussi. Il me semble que c'est Coroy qui est rentré. Hein. Ouais, et je crois que. Ouais, Nico Tacha qui est appelé par l'arbitre. Et je crois que c'est Coroy aussi qui s'est mis à la faute avec un plaquage un petit peu haut. Be careful, thank you. Yeah, no problem. I understand. Voilà. Un petit échange entre Coroy. C'est quoi, capitaine? Ouais, c'est Coroy qui s'est excusé. À l'arbitre, il expliquait à l'arbitre que le joueur d'Aqua on y va, les gars, s'il vous plaît. Était sur une phase descendante. Et c'est pour ça qu'il. Oh, rouge, rouge. On y va, on y va, on y va. Faire autrement que de le paquer haut. Un petit peu haut. Au niveau du cou. Allez, on y va, on y va. Rien de trop méchant, une simple pénalité, mais qui va ramener les Dacois un peu plus près de la ligne dans le but des Niçois. Et encore une fois, ces Dacois se nourrissent des fautes et des maladresses. Et ouais, c'est ce qu'on disait en première mi-temps. Hein. Quand les Dacois essaient de développer du jeu sur les extérieurs, la défense niçoise est bien en place. Et malheureusement, ils rentrent trop de munitions, trop d'indiscipline pour les hommes de Bolgashvili. Qui laisse cette Dacqua dans le match. Hein. Ah oui, là, ils laissent plus que dans le match. Ils ont un lancé sur les 22. Heureusement qu'il y a un gros pressing. En l'air. Et les Dacqua ont du mal à sortir le ballon vite également. Défense niçoise bien en place. Bolenevalou qui essaie de tenir le joueur debout. Il est sûrement défensif. Bien repris encore une fois. Cerizet qui refait ce coup à l'intérieur, ça fait plusieurs fois. Et pénalité, les Niçois pénalisés. 6 noirs, ton mauvais coup. Bonnet, à l'intérieur des 22 mètres. Sur le ballon. Ils vont sûrement prendre les points. Ouais, parce que là, ils sont à une vingtaine de mètres en face des poteaux. Ils vont pas rater l'occasion, les Landais. Surtout qu'elle leur permet de repasser devant. Possibilité pour les Dacqua de repasser à 11 à 9 avant la pénalité de Cerizier qui a repris le but. Donc je pense que c'est ce qu'on disait, hein, Maurice. Il doit y avoir un buteur de loin distance. Et un buteur de près. Exactement. Et c'est donc Cerizier qui va s'en charger à quelques centimètres à l'intérieur des 22 mètres niçois. Pénalité qui devrait être dans les cordes de l'ouvreur d'Aqua. Allez, Hugo Cerizet qui rajoute 3 points et Dax qui revient donc 11 à 9 et qui mène ici aux Arboras. C'est pas exactement le début de deuxième mi-temps qu'on attendait à Maurice côté niçois et qui une fois de plus paye leur indiscipline. Alors qu'on n'a pas annoncé non plus les changements du côté de Dax, il me semble que c'est
c'est Ferreira qui est dû rentrer. Diogo. À la place de Louis Marie, si j'ai bien suivi. Allez, Verdu. Ouais, un petit bloc quand même. On se plaint légitimement David. Nice qui maintient Dax dans ses 22 mètres. Nouveau point de fixation des avant-landais. Lâchez. Ballon qui ralentit par Johnson. Et donc qui contraint à taper. Allez, le Gall qui contrôle du pied. Qui rechoisit une fois de plus le petit côté. Allez, cette fois-ci, il a réussi à rester à l'intérieur du terrain. Koroy en percussion. Vite. Orma Echea qui a fait son entrée au poste de demi de mêlée à la place de Bessaké. Allez, ballon qui ralentit. Mandoulé qui le relève. Allez, Verdu pour Moses qui joue avec le Gall. Le Gall pour Torse. Qui garde l'intérieur du terrain. Vite, il faut sortir les ballons vite. Allez, Orma Echea qui colle au ballon. Koroy en percussion. Voilà, on met de la vitesse. Beau déblayage. Non. Mais les Lacons ont réussi à ralentir le ballon. Donc. Et Parizé qui relève le ballon. Derrière. Défense d'Aquas bien en place pour le moment. Verdu dans le dos pour Torse. Torse avec Nico Tacha. Qui essaie de libérer. Un en avant, en avant sur, la, ouais, sur la passe. Ouais. En avant. Allez, on va se voir. Et du calme. Merci. Voilà, ils ont terminé une belle séquence, qui ont réussi à jouer dans l'avancée, à conserver la vitesse du ballon. Et dès qu'on conserve la vitesse du ballon, mais on met la défense en difficulté. À la sortie de Louis Martin. L'entrée de Augustine Slovic, l'ailier britannique. Ok, passe. Et de Badri. Badri. Alkazashvili à la place de Louis Martin. Alkazashvili. C'est l'entrée de Slovic. Slovic a du feu dans les jambes, hein, l'ailier britannique. Un bel impact player. Qui c'est quoi fait grâce d'une magnifique coupe mulet. Ça va ? Ça repart pas ? On le remercie. A noter que c'est une première ligne 100% géorgienne qui est recomposée, là, qui va débuter cette mêlée. Oh, mêlée pour les rouges. Ouais, c'est très lent, les gars, pour les entrants. C'est très lent. Ouais, vas-y, on comprend. Une première ligne made in Bolgashvili. Hein. Ouais. J'ai dit une bêtise, Louis-Marie est toujours sur le terrain. Ouais, à gauche, on le voit. C'est Stemet qui est sorti. Il y a l'ancien espoir niçois qui fait quand même une belle impression, hein, face à des piliers d'expérience. Tiens ça. Il a quelques mêlées un peu en souffrance face à Johnson. On va voir comment il se comporte lié face à son nouvel opposant. Ballon de sortie de jeu. Gros effort du pilier gauche niçois. Ça écarte, cerisé sur les extérieurs. Alors, j'ai eu un petit temps avant quand même sur la passe. Ouais. Ouais. Et Thibaut Santamaria l'avait vu aussi. Un avant de passe. Mais les... Le public gronde, mais même sur l'arbitre avait tout vu. Ouais, un avant de passe. Il est impeccable depuis le début de cette rencontre. Changement. Bon, il a affaire à deux équipes qui ont quand même de belles intentions. Il n'est pas trop embêté de ce point de vue-là. Mais il tient bien son match. Et c'est la sortie, hein, du jeune niçois. Je l'avais trop anticipé. Allez, on y va. Voilà. Un avant de passe des rouges. Effectivement, il a fait son match. Il souffre peut-être un peu de crampe, ouais, là-bas au bord du terrain. Oui, il est allé au bout de son effort. Le jeune pilier. Et ça s'appelle ça la gauche. Allez, mêlée, introduction Nice, Orma Echea à la baguette. Flexion. Lié. Allez, le demi de mêlée. Jeu. Oh,
qui introduit le ballon. Il y a quoi qui essaye de faire effort et qui sont pénalisés. On s'en travers. Là-bas. Le gaucher qui croise, qui va en travers. C'est le nouvel entrant le gaucher. Hein, qui est pénalisé. Nguinini. Gaucher rouge en travers. Alors, quelle option vont prendre les Niçois? Je crois qu'ils vont choisir la touche. Ah oui, ils sont déjà en train de. Les avants sont déjà en train de se regrouper autour de Nico Tacha pour annoncer la touche qu'ils veulent faire. Une belle touche trouvée par Hugo Verdu à l'intérieur des 22 mètres landais. Allez, c'est une belle munition. Maurice, qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, c'est toujours une belle munition d'avoir un lancé dans les 22 mètres pour soi. Est-ce qu'on va se rassurer avec un premier bloc sauteur? Eh ben oui. C'est ce qui est fait. Corroy qui se saisit du ballon. Et allez, le mollet lancé. Pour essayer de contrer, mais... Allez, les Niçois ont mis la marche avant. Il est bien formé ce mol. Il gagne du terrain. Il faut garder le ballon au fond pour ne pas s'exposer aux nageurs d'Aqua. Mais... Allez, d'Aqua qui a fait une belle opposition. Ils ont contraint les Niçois à sortir le ballon. On est un peu sur le côté, mais ça va. C'est pas si fou. Allez, Nico Tacha. Derrière. C'est un ballon lent. On est obligé de passer par un. Freites qui débloque 2 cm. Corroy. Tacha au centre du terrain, il résiste. Nico qui a essayé de se décaler un peu de. Du coup. Maïtia qui se fait la malle. Oh la chiste est là, c'est magnifique! Magnifiquement joué par le demi de mêlée entrant qui fait une vraie offrande hein, pour Neparidze, le pilier géorgien qui s'en va aplatir le cuir en dame. Il fait du bien hein, celui-là. Hein. Il fait toujours du bien, qui a naissé, mais c'est vrai que celui-là fait vraiment du bien. Il permet de repasser devant et de payer un peu tous les efforts faits depuis le début du match par un essai. Voilà, Ormaïtchia un peu coquin qui s'est échappé au ras du regroupement et qui fait une petite chistera. Magnifique. Hein. Neparidze, qui n'a plus que quelques mètres à faire et qui les fait bien. Et coaching payant hein, du côté de David Bolgashvili. Il fait rentrer un nouveau numéro 9 qui apporte de l'impact, de la vitesse. Et au ras du ré qui vient servir pareil un remplaçant, Neparidze, qui met les Niçois dans l'avancée et qui leur permet de reprendre 2 points d'avance. Avant cette pénalité. Cette transformation passée par Hugo Verdu. Voilà. Et ça fait 13. Transformation réussie. 15. 15 à 11 ici aux Arboras. Nice qui se donne un peu d'air. 4 points d'avance. 16 à 11, pardon. Alors là, il va falloir faire une belle sortie de camp. Attends, après le coup d'envoi. Pour bien finir de se rassurer. Un nouvel entrant côté d'Aqua aussi. Ouais. Je crois que ça y est, toute la première ligne a été changée des deux côtés. Ouais. Slovic à la réception. Ballon tapé très long avec le vent. Slovic il a ramené devant la ligne de 22 mètres. Le choix qui conserve bien. Avec un temps supplémentaire pour permettre à l'ailier niçois de sortir du ruck. Et de pouvoir monter sous le coup de pied de pression qui va probablement être tapé par Ormaïtchia, je crois. Tout à fait. Monsieur. Le numéro 9, Niçois, qui trouve une petite touche. Hein. Oui, mais il trouve la touche et ça évite de donner un ballon de relance à Odakwa comme on l'a trop souvent fait, à mon avis, en première mi-temps. Non, là, c'est pas touché du tout. Vraiment pas. Ça permet à tout le monde de respirer un peu et de se remobiliser. Alors on va voir hein, si les Niçois vont réussir à contrer en touche. Voilà. Et à rester disciplinés sur la phase défensive. Ce qui a été un peu leur mal dans cette première période. Ouf. Berthiesi, gros timbre de Nico Tacha dont il a le secret. En avant. Ah, essayer de se débarrasser du ballon. On va revenir au premier en avant. On revient là-bas, en avant du noir. Oui, le bras travaille, il n'y a pas de problème.
Je vous le dis au cas où. C'est ce que j'ai vu, il n'y a pas de souci. Ici, le noir conteste. En avant. Nico qui fait un peu de lobbying auprès de l'arbitre. En pleine discussion. En s'assurant qu'il avait bien vu que le plaquage était régulier, ce qui était le cas, donc il n'y a pas de souci. Il était régulier, mais il était appuyé. Non, non, c'est en avant. Viril, mais correct. Après, c'est très bien, continuez. Mais viril. Allez, on y va. Très viril. En avant. Allez les gars, plus vite, plus vite. Alors, on va voir ce qu'elle donne, cette nouvelle mêlée. Donc on l'a dit, hein, les deux premières lignes ont été totalement changées. On n'est pas trop, près là les gars. Ça vous va, okay. Qui s'inquiète de la distance entre les premières lignes. Lié. Je. Pilier droit qui a lâché, ouais. lâché sa liaison. Devant moi le droitier qui amène le gaucher rouge au sol. Et ouais, c'est Chatirichvili qui est pénalisé ici. Plus fort. Capitaine, vous m'avez dit les points. Les poteaux. Et encore une fois, c'est dommage parce que après avoir marqué cet essai, on se remet en position de reprendre une pénalité alors que... Recule un peu. Et ouais, c'est ce qu'on disait, hein. C'est vraiment le mal niçois, hein, sur plusieurs matchs cette saison. On marque des points et derrière, malheureusement, on rend des munitions gratuites aux adversaires, ce qui leur permet de rester encore dans le match. Hein. Si Hugo Cerisier la passe, il reviendrait à deux petites longueurs des Niçois. Et elle passe. Hugo Cerisier qui remet les Dacquois à deux points de Nice. Et Nice qui mène toujours 16-14, mais qui voit les Landais revenir à deux petites longueurs. Placé par ses camarades. Allez, Hugo Verdu pour engager. Les Dacquois bien pris dans leur 22. Le ballon qui est extrait. Bougez pas devant. Elle ne sort sortir pas. Et non, c'est le Gall qui a une belle opportunité de relancer le ballon ici. Bien conservé par l'arrière niçois, Orma Echea. Verdu qui joue avec ses premières lignes. Vite, oui, il faut conserver de la vitesse. Orma Echea, Slovic qui fait jouer derrière lui, Tacha. Je. Il est un peu chaviré, mais il a réussi dans le placage à faire sa passe. Et le plaquage était dans la règle pour oui. moi. Ah oui. Il est sur le côté. Le ballon qui était sorti du ruck. Et donc les Dacquois qui ont turnover. Stop. Gros coup de pied au centre du terrain, ouais, pas comme Goujon. On revient. Il part à son tour, mais okay. Bien joué, il a vu que les liés Dacquois étaient un petit peu avancés. Elle sort pas. Allez, Hugo Verdu qui vient reprendre le terrain avec le Gall. Il va y avoir des espaces, hein. Ça fait plusieurs temps de jeu qu'on enchaîne. Ouais. Dacquois qui sont un peu limite hors jeu. Mondoulé qui avance, qui conserve bien, toujours propre, le second ligne niçois. Et Dacquois, il est un peu à plat ventre quand même, le 7 balle, rouge. Ouais. Et ouais, pénalité. Et, oui. Et en plus, il vient sur le côté, ça conteste les décisions de l'arbitre et on prend 10 mètres de plus. Allez, ça va faire du bien aux Niçois. Mais là, pour le coup, c'est Dacquois qui sont indisciplinés. Première fois, le plaqueur sort pas. Et ensuite, il alors, parle. Qu'est-ce qu'on va choisir, Maurice? Pac. Les points ou la touche? Il semble qu'on se dirige vers la touche. Et je crois bien, les Niçois qui aimeraient creuser l'écart et peut-être définitivement tuer ce match. On regarde un peu le banc. Capitaine, un choix, s'il vous plaît, rapide. Touche, monsieur, j'ai dit. Ouais, pardon, je n'ai pas entendu. C'est parce qu'il était un petit peu essoufflé, je pense. Ouais. Il a pas dû le dire fort. En tout cas, c'est bon signe. Dès qu'on met un peu du rythme et de l'avancée, d'ailleurs,
et de la Colombienne compris. Il y a des options hein, sur l'extérieur et on voit en défense les Niçois qui sont toujours très très bien en place sur les phases offensives landaises. Ouais, la faute ici, Placard sort pas. Et ensuite, le 23 qui vient. Quelques ajustements à faire. Et ensuite, le 23 qui parle. Pour supprimer des imprécisions. Un couloir propre, les gars. Allez, lancé niçois, premier bloc sauteur, ondoulé, oui, on vient jouer dans le fermé. C'est bien joué la combinaison. Mais la défense d'Aquaz était vigilante. Le ballon est là. Ballon, c'est un ballon lent, donc ça laisse le temps à la défense de s'organiser. Il va falloir remettre de la vitesse et de l'avancée au ballon. Les gars, quoi qu'ils mettent les mains, mais qui n'arrivent pas à contrarier la sortie du ballon niçois. Très bien, ballon là, ballon dispo. Allez, les Niçois qui continuent à pilonner la défense landaise. Nico Tachak qui repart sur le pick and go. Restez là. Roma Echea qui organise le jeu autour de ses avant et qui va peut-être écarter Torfs qui est seul mais qui conserve bien. Parce qu'on s'était tous consommés dans le. Il a les mains par terre, il a les mains par terre. Pick and go. Un nouveau temps de jeu avec les avant niçois. Libération, attention, soigner la libération. Ballon sort vite en pick and go, encore une fois en avance. Le cœur du ruck. Martin Freites qui relève le ballon. Qui avance. On se rapproche de la ligne d'en but. Il va falloir être patient à mon avis. On continue d'avancer. Alors on voit sur le plan large que les Gatois se sont bien réorganisés. Mais on avance encore, les avants qui font mal à la défense d'Aquaz et Maurice. Debout les soutiens, debout. Debout les soutiens. Il faut rester patient. Pas faire de faute. Et voilà, on n'a pas été patient. On l'a rebuté. Là-bas. J'ai prévenu, ça fait la défense landaise qui ne s'est pas démobilisée, hein, qui a, avec qui a bien fait réagir. Ça fait deux fois que je vous préviens, on vient directement sur le plaquet, debout. Là, le soutien qui n'était pas sur ses appuis. C'est dommage, à côté niçois, c'était vraiment l'occasion d'enfoncer le clou et de prendre le large définitivement. Moi, j'entends pas personne, peut-être que oui, mais comme ça, je leur dis. Quand j'entends. Ah, merci. Allez. 17 noirs directement au sol. Alors que les acteurs de ce match profitent de ce petit arrêt de jeu pour se désaltérer. On en profite pour en rappeler que Nice se déplacera la semaine prochaine à Chambéry. Allez, bien sauvé ce ballon. Eh non, l'arbitre de touche en a décidé autrement. C'était bien tenté par Paco Mboujon. Et donc il avait sûrement mis un pied en touche. Et donc on revient à une touche d'Aquaz. Arrête, les mecs par le maillot, s'il te plaît. Mais si je suis dans les racks, je l'amène au ruck. Non, non, non. Si je ne viens pas au ruck, tu ne peux pas les tenir au ruck. Mais s'il est au cours. Non, non, non. Lâche-les. Agustin Ormachea qui était un peu coquin encore une fois, qui se fait rappeler à l'ordre par l'arbitre. Ouais, un peu filou hein, le sud-américain, c'est ça qu'on aime chez eux. Ça fait quoi? Chez les deux, une mêlée aussi en général. C'est bien joué. On a bien défendu aussi, bien parce qu'on ne s'est pas laissé. Et pénalisé, voilà. L'ailier anglais qui joue rapidement. Oh là là, le tic-tac. C'est énorme. Il faut soigner la libération vite. Il a déposé son vis-à-vis sur des appuis courts. Corroy qui écarte, Verdu, Goujon, et un petit surnom Legal. Revue d'effectifs des lignes arrières niçoises. Comme Goujon qui libère son ballon. Agustin Ormachea. Corroy, le ballon dans les chaussettes, mais qui arrive à se saisir du cuir. C'était pas Agustin d'ailleurs, c'était Pacom. Elle est bonne au large. Bien vu, Nico. Allez, Agustin encore, qui va faire parler ses jambes de feu. Il fixe. Il n'a pas pu libérer pour son. Oui, mais il a le soutien de ses deux avants qui sont vite venus gratter ce ballon pour le relever. Allez, les Niçois qui baillent le terrain de gauche à droite. Ça sort vite. Hugo Verdu. Verdu qui voit un intervalle, qui s'infiltre. Ah non, la chustera du pilier. Il aurait peut-être dû conserver. Elle est contrée, il faut plonger. Et ce sera un renvoi dans le but, hein, je crois, côté d'Aquaz. C'est dommage, hein, le pilier niçois qui aurait peut-être dû conserver. Qui aurait certainement dû conserver, il n'a pas de soutien. Et la passe n'est pas possible. Non, la preuve, c'est qu'elle tombe et qu'elle n'arrive pas.
Ouais, parfois, il vaut mieux rester sur ce qu'on sait faire. Il faut être patient, surtout. Exactement. En place, on y va. Il faut être patient, comme tout à l'heure sur la série de pick and go. Et c'est dommage, on a vu un très beau mouvement initié par Augustin Slovic. Allez. Qui a mis les Dacquois à la faute et qui derrière joue rapidement cette pénalité et gagne une vingtaine de mètres. On met de la vitesse, on met du rythme, on trouve. Allez, le gars là encore avec ses cannes de feu qui joue avec Goujon qui s'infiltre. Nouvelle fois, on le répète, manque de patience. Et voilà, là-bas. On discute. La même pour les rouges là-bas, le 14. Se transforme en pénalité. C'est dommage, côté Nissan, on rate vraiment des munitions importantes. C'est dommage de rendre des points sur les coups d'envoi assez facilement et de ne pas marquer alors que on a quand même mis cette équipe landaise vraiment en difficulté sur la vitesse. Sortez 17 s'il vous plaît. C'est bon, je vous remercie. Pour le voir. Les mecs, sortez s'il vous plaît les gars. Pas le plus tard, là, juste, oui. 15. Allez, lancez d'Aqua au centre du terrain. Pour rentrer. Attends. Allez. Fond d'alignement, on vient jouer. Elle a sauté. Elle est pas terrible, un peu hasardeuse. En avant quand même d'Augustine. En avant de l'ailier niçois. Le ballon est toujours en jeu. Verdu un peu sous pression. Le gars à la lutte. L'ailier niçois qui arrive à conserver sur ses 5 mètres. Erreur d'appréciation de l'ouvreur niçois. Une grosse erreur d'appréciation, mais bon, qui pour l'instant ne porte pas trop à conséquence. Et qui met quand même ses coéquipiers sous pression. Non, c'est vous qui le tirez. On va voir comment les niçois vont réagir. En fait, il n'a pas voulu taper en touche. Ouais, il pensait que le ballon allait sortir. C'est derrière, les gars. Malheureusement, il a été. Non, je crois qu'il y a eu un petit coup de pied d'Aqua qui l'a remis sur le terrain. Exactement, ouais. Et revoilà, les Niçois sous pression à l'entrée de leur 22. On en revient en fait à l'action qui aurait dû arriver, puisque si Hugo Verdu avait tapé en touche. Donc, exactement. Porte pas trop à conséquence, à part une petite frayeur. Changement chez les Noirs. Doran Laverne qui fait son entrée à la place d'Hugo Verdu. Non, à la place de Goujon. Hugo Verdu l'avait cru aussi. Peut-être que sa petite erreur l'a mis sous pression. Parfois, c'est pas plus mal. Ça lui permettra de rester dans la partie. Restez bien à 10, les gars, s'il vous plaît. On a eu l'entrée de Thibaut Ré aussi, en lieu et place de Calas. Au poste de deuxième ligne. Voilà. Encore un mol fantôme qui contraint les Dacquois à passer par le sol et à ne pas pouvoir faire fixer les avants sur un mol. Bonnet Valou qui est bien plaqué et sorti de la zone de plaquage. Joue avec ses avants. C'est bon, plaquage au face. Lâchez, c'est bon, merci les gars. Martin Freites qui essaie de tenir debout pour obtenir le ruck. Le horrible mol, pardon. Attention. Ça renverse. René Valou. Qui est bien pris sur les 22. Il reste un peu moins de 10 minutes dans ce match. Nice doit tenir s'ils veulent se qualifier. Je crois qu'il y a un en avant. Finales. Avantage pour un en avant. Oula. Et un deuxième en avant peut-être. Non, monsieur l'arbitre ne le signale pas. Il y avait peut-être un petit en avant de volée. Avantage, en avant ici, on revient là, en avant sur le plaquage. Il l'avait vu, il avait laissé l'avantage, il revient. C'est quoi, c'est pénible, pas. Il y en a un qui a pris pénalité, le prochain c'est droit. Monsieur, je vais lui dire. Ouais, en avant sur le plaquage, Juven. Il est pour les rouges. Et on l'entend, Thibaut Santamaria, l'arbitre de la rencontre, qui est un petit peu agacé. Il est agacé. Il va plus vite, s'il vous plaît. Des allez. Interventions allez, des joueurs. Il reste calme, mais il a prévenu. Hein. Prochaine contestation, ce sera carton jaune. De suite, allez, on y va. Allez, les gars. Allez, les gars. Let's go. On va marquer là. Okay. Allez, un peu. On entend Augustin Armaïchia qui harangue ses avants. Commence là. Vous n'êtes pas, du bon, il se passe.
Et les Sox qui sont sous pression, hein, 16-14, deux petits points d'écart. Sortez les épaules, les gars. On rappelle une victoire contre Dax serait synonyme flexion de qualification pour les phases finales de championnat national. Lié. Vraiment 10 minutes, c'est la plus haute importante pour le club azuréen. Hein. Ballon qui est un peu lent. Les gars, c'est très bien sur l'espace, sur les axes de poussée, mais de la stabilité. Évitez de travailler des deux côtés, s'il vous plaît. Allez. C'est très bien, on continue comme ça, mais plus de stabilité, ok les gars, s'il vous plaît. Merci. Voilà, je ne vais pas créer non plus. Hein. Allez, on y va les gars, s'il vous plaît. Parce qu'il gagnerait à raccourcir les temps d'annonce, parce que la stabilité c'est bien, mais quand ça dure, c'est compliqué. Exactement, toi Maurice qui a l'expérience hein, de ce secteur-là. 3, 5, 1, oui. Les gars. Sortez l'épaule. Flexion. Allez, on y va. Allez. Eh oui. On va tasser. Véimé d'Aqua qui tarde à introduire. Le neuf qui prend le ballon et qui ne veut pas introduire. Il est qui, c'est stable, il ne veut pas introduire. Donner un petit peu d'air. Mais ça reste un coup franc, donc si elle est trouvée, ce sera... Ce serait un lancer d'Aqua. Alors il y a un blessé. Ce n'est pas Rizzi. Mika qui est au sol. On y va, c'est bon, on y va. Il se relève. Il a l'air de faire très chaud puisque l'autre pilier et toute la première ligne géorgienne se désaltère. Gros coup de pied de Hugo Verdu. Pour déplacer le ballon dans le terrain. On reste là, viens. Belle couverture. Allez, le gars. Allez, il y a de l'espace. Il est passé. Qui passe, qui met les cannes, qui rafute. Il a gagné une quarantaine de mètres. Il faut que ça sorte vite. Le 23, tout le monde est hors jeu, je pense. Il l'a vu, monsieur l'arbitre. Il a levé le bras. 23 rouges sortis en plein milieu. Ormaecha qui renverse. Elle est bonne. Allez, Ben Moses. Encore. Qui joue avec Torfs. Allez, encore, il faut jouer encore. Pour Bonelli Valou, qui fait jouer bien derrière. Joué, il est passé. Qui se fait encore la malle. Le tic-tac. Allez, il a bien conservé, il a raison. C'est pas débarrassé du ballon. C'est bien, c'est ce qu'a fait pêcher les Niçois tout à l'heure. Oui, tout à fait. L'avantage est terminé. Alors, Maïcha, encore lui. L'arbitre vient d'annoncer que l'avantage est terminé. Effectivement, il y a eu une belle avancée. Vraiment une belle entrée hein, du demi de mêlée niçois, qui est plein de gaz. Je pense que c'est un mauvais choix, là, par contre, de Martin Freites de repartir dans le sens. Il y a un avantage. Nouvel avantage en face des perches. Allez, les Niçois, faut qu'ils jouent crânement leur chance. On revient là. Ouais, ou alors, c'était un bon choix, en fait. Il avait vu que le joueur d'Aqua a été hors jeu et il est venu s'empaler dessus pour le pousser à la faute. On va au sol pour ralentir le ballon et on sort pas. Et là-bas, position de hors jeu, 23 rouges. On fait quoi ? Arbitrage clairvoyant, okay, alors on attend. Monsieur Santa Maria. Arrêt du temps. Bah, copie parfaite hein, de l'arbitre du jour. Ah oui, il n'y a rien à te dire. C'est vraiment agréable de suivre une rencontre quand elle est orchestrée de cette manière. 15. Vous êtes capitaine, je suis pas sûr. Attention, ce genre de fois dans les zones de marque comme ça. Le 18 rouge, volontairement, il se met sur le ballon pour aller sur le ballon. Merci. Ouais, il est pédagogue, il explique au capitaine d'Aqua la nature de la faute. C'est le nez. Il aura gardé les rênes de ce match du début à la fin. Là, hors jeu et après le 18. Alors le choix des Niçois. Est-ce que vous avez vu où j'étais ? Je crois qu'il demande de la jouer à la main. Non, Nico Tacha prend les 3 points. Nico Tacha prend les 3 points. On sort pas. Ah ouais, il faut assurer le... 3 points, monsieur. Auto. Il faut assurer la gagne. Face des poteaux, c'est... Ah, c'est avec seulement 2 points d'avance, c'est, ouais, c'est dangereux. Ouais, beaucoup d'humilité hein, dans cette décision. Ils ont raison, dans la règle, ils ont raison. 30 secondes.
A priori, il ne reste que quelques minutes en plus, donc ce serait dommage de ne pas profiter de reprendre du large. Allez, 15. Et du Verdu qui gagne un peu de temps au métier. Ouais, parce que l'arbitre vient de lui annoncer qu'il lui restait 10 secondes. Et ça passe pour Hugo Verdu qui transforme cette pénalité. Nice qui mène désormais 19 à 14 et qui prend 5 points d'avance sur les Dacquois. 5 points, un essai non transformé. Il reste 5 minutes à peu près dans le, 5 bonnes minutes. Dans le temps réglementaire. J'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu beaucoup d'arrêts de jeu. Rien n'est fait encore. Hein. Ouais, là, il faut vraiment sortir proprement. Alors, Maïtia. Qui trouve une belle touche. Voilà, qui donne de l'air au sien. Sur les 40. Allez, messieurs niçois, encore quelques minutes et la qualification sera assurée. Et on entend hein, David Bolgashvili, défense, défense. C'est le maître mot ici, là, en cette fête de rencontre aux Arboras. Prenez les gars, s'il vous plaît. On voit Nico Tacha qui réorganise, il explique qui il va prendre. On saute pas. Une fois de plus, qui ne saute pas. Ouf. Allez, bon plaquage. Jeu. Bien pris. Bien Augustine Slovy qui récupère le cuir. Voilà, qui s'organise. Allez, pour soigner sa libération. Une belle défense, hein, belle agression. Belle agressivité, pardon. Dans la montée défensive des Niçois. Nico Tacha qui a repris la responsabilité derrière le. Allez, Torf sans bout d'alignement, il avance. Alors Agustin qui reprend sa place. Freitas bien pris au centre du terrain. Romaitia pour Verdu. Verdu dans le dos. Ben Moses. Moses, il a vu. Qui a pris l'intervalle. Allez, il soigne conserve sa libération. Alors du coup. Effectivement, c'est un ballon qui est un peu lent. Mêlé. Et un en avant. C'est bon. Ah, je pense qu'Augustin va payer un peu son indiscipline et d'avoir parlé trop souvent à l'arbitre. Ah, malheureusement. Ah, il a coupé le micro, on n'entend pas, mais je peux vous dire que c'est de ça dont il s'agit. Donc il y avait un en avant. Est-ce que c'est un avertissement sans frais ou est-ce qu'il va donner un coup franc? Non, c'était un avertissement sans frais, très pédagogue. On n'a pas exactement vu ce qui s'était passé. Peut-être que Ormaïcha était allé chercher un hors-jeu délibérément. Et non, je crois le rouge lui appuie sur le ballon, donc il a le sentiment effectivement qu'il y a eu faute sur lui. C'est pas partagé par le... Par l'arbitre qui signale une mêlée et donc il lui a fait savoir que, bah, que c'était lui qui arbitrait et qu'il fallait qu'il garde ses sentiments pour lui. Allez, c'est dommage. Les Niçois qui avaient effectué un beau turnover. Après, c'est normal hein, mais... sur la frustration, effectivement. Il faut rester maître de ses nerfs. Bon, sentir. C'est normal, il y a énormément de tension en cette fin de match. Sentir sans trop de frais. Ces dernières minutes, elles vont décider hein, de la fin de saison de ces Niçois. Ça s'est écroulé. Et des Dacquois aussi. J'ai l'impression que le gaucher Dacquois s'est un peu écroulé. Cerisier qui écarte pour Olé qui gagne quelques mètres. Ballon est sorti, éjecté. Non, mais il n'y a pas le feu hein, sur les extérieurs. La défense Niçois se replace. Voilà. Belle montée de Ré. Les Dacquois qui reculent, Cerisier, et on écarte pour Gatelier. Gatelier qui prend l'espace, qui met les cannes. C'est il va peut-être y aller, Gatelier. Prendre. Et non, il est repris par Slovic à 5 mètres de la ligne. Et... Attention, et voilà, faute. Attention, et là, il va y avoir sûrement carton. Hein. Ah, ça s'échauffe là-bas. Ah ouais. Alors que ouais, les esprits s'échauffent dans l'embute. C'est Agustin Ormaechea, je crois qu'il s'est... Elle aime ça, hein, le sud-américain. Il était... Alors j'espère qu'il n'y aura pas de double sanction, carton jaune et essai de pénalité. Il n'y a pas de carton, a priori. Je pense qu'il y aura juste un carton. Hein. Toi, tu penses qu'il n'y aura pas de carton, Maurice? On va voir. Malheureusement, on a perdu la connexion avec
avec l'arbitre du champ. Et oui, c'est un carton, ouais, pour Augustine. Pour Augustine, ça fait un moment qu'il est prévenu. Bah, c'était lui qui était dans le viseur tout à l'heure sur la mêlée. Oui, il vient de le prévenir. Donc, Je crois qu'il s'est sacrifié là sur le coup, le demi de mêlée uruguayen. Parce que derrière, si le ballon était libéré rapidement, il y avait peut-être occasion d'essai pour les Dakois. On va peut-être appeler ça une faute intelligente, hein, sur le coup. Alors que vont choisir les Dakois? Alors que nous sommes dans les arrêts de jeu, hein, de ce match. Énorme pression sur les Niçois, à 5 mètres de leur en but. Les Dakois qui choisissent la mêlée. Avec un joueur en moins à la mêlée, justement. Devine Mêlée qui a pris le carton. Allez, un de moins. Les Niçois vont devoir faire preuve de caractère. S'ils veulent décrocher ce ticket pour les phases finales et se déplacer à Chambéry demain, la semaine prochaine, pardon, sans pression. J'ai l'impression que c'est Hugo Verdu qui est monté d'un cran. Qui a pris le poste de numéro 9. Ouais. Ouais. Et le public niçois qui donne de la voix pour ces dernières minutes cruciales. Hein. Dans la saison du stade niçois. Allez messieurs, c'est important, elle est importante celle-là, gros belle effort, poussée, gros effort. Nico Tacha. Nico Tacha qui défend bien sur le 8. Et nouvelle pénalité, plaqueur qui lâche pas, je crois que c'est Martin Freites qui s'est mis à la faute. Attention messieurs. Alors que vont choisir les Dakois, est-ce qu'ils reprennent la mêlée parce qu'ils se sont fait un peu secouer quand même, hein. Je pense qu'ils vont prendre la touche. Hein. Ah non, ils reprennent la mêlée. Et ben on va voir rapidement si c'était un choix payant. Alors qu'on avait vu la mêlée niçoise faire un peu plus dominatrice. Ouais. Faire l'effort et mettre sa troisième ligne en position favorable pour attraper le décalage. Mais les Landais se semblent plutôt confiants dans ce secteur de jeu. Donc on espère pour eux qu'ils n'auront pas à le regretter. On espère pour nous, côté niçois, qu'il y aura surtout un qu'ils auront à le regretter. Et qu'ils auront à le regretter, ouais. Allez, la tension est à son comble, hein, ici aux Arboras. On voit le public là qui retient son souffle. On a un gros effort encore sur la mêlée, donc les Dakois qui sortent. Nico Tacha encore lui. Qui vient s'empaler sur Nico Tacha et Martin Freites. Voilà, on refait un temps lent. Bonnet Valou qui vient se jeter dans les chevilles. Allez, Niçois qui mettent les barbelés. Allez, c'est important, messieurs. L'avenir de cette saison repose en grande partie sur ces dernières minutes. Alors, on est sur du pick and go, on n'est pas pris. Allez, il recule, les Landais. Attention à pas faire de faute. Ils vont rien lâcher, les Niçois. Il y a quoi qui ont un peu reculé de quelques mètres. Alors qu'on va écarter. Ils choisissent de jouer au large. Cerisé. Ah, écran. Écran là quand même. Et écran, oui. Et c'est et fini. Oui. Ce sera fini. Voilà Nice qui s'impose. Voilà, de 5 petits points. Encore une victoire dans la douleur, mais. Mais qui est synonyme de phase finale, Maurice. Qui est synonyme de phase finale et qui quand même permet de montrer un bel état d'esprit. Et voilà Nice qui enterre définitivement les espoirs des concurrents qui étaient derrière eux au classement et qui se qualifient mathématiquement pour les phases finales de ce championnat national pour la deuxième année de suite. C'est un bel accomplissement, hein, Maurice, pour le groupe de David Bolgashvili. Absolument, puisque tant qu'on est qualifié, on a toujours l'espoir de jouer la montée. Donc effectivement, c'est une belle opération aujourd'hui, même si on peut regretter de ne pas s'être donné plus d'air. Il y avait à mon avis les moyens de le faire, mais bon. Après, la tension, hein, a sûrement dû jouer dans les têtes des joueurs, dans les imprécisions. Mais le résultat final est là. Et c'est ce que le public niçois attendait, les joueurs attendaient. Ils vont pouvoir aller préparer ces phases finales la semaine prochaine, donc dans un déplacement avec moins de pression à Chambéry, qui est quand même un concurrent direct. Et voilà, ça va être une belle rampe de lancement pour ces phases finales. Il restera un match à domicile ici à Suresnes le 8 mai, si je ne me trompe pas. Tu ne te trompes pas. C'est bien le dernier match qui reste à domicile pour préparer les phases finales.
Alors restez avec nous, on va sûrement recueillir les premières impressions d'un joueur niçois. Elle fait du bien hein, celle-là Maurice hein. Fait vraiment du bien, c'est toujours du bien de se qualifier et d'assurer sa qualification, c'est sûr. Voilà. Alors que voilà, on va recevoir les impressions de Dorian Laverne, je crois bien, dans quelques secondes. Bon, on a eu le droit à une belle rencontre hein, quand même, Maurice. On a le droit à une belle rencontre avec de belles intentions dès le début du match de la part des deux équipes. Victoire finale 19-14, ça a été compliqué jusqu'au bout. Ouais, on s'est pas trop rendu le match facile. On savait qu'ils venaient chercher la place qualificative, donc il fallait qu'on l'assure. Je pense qu'on n'a pas encore mis les bons ingrédients dès le début pour se rendre le match facile, mais bon, c'est gagné, c'est le principal et on est en phase finale. C'est ça l'information de la journée, pardon, c'est que Stanisław est en phase finale. L'objectif est rempli maintenant. L'objectif, c'est d'aller peut-être plus haut, grappiller une place pour grappiller peut-être un adversaire un peu moins compliqué. Ouais, pour se rendre les phases finales, on va dire, entre guillemets, un peu plus facile. Mais bon, tous les matchs vont être durs. Ouais, on a fait, voilà, on n'a pas mis la manière aujourd'hui, mais on a gagné, c'est fait, les phases finales. Maintenant, on va bosser pour monter, tout simplement. Puis dernière question un peu plus personnelle, ça fait plusieurs fois que tu rentres à l'aide, tu vas commencer à travailler un nouveau poste. Ouais, je sais pas si j'ai les qualités physiques pour m'installer, mais ouais, bon, tant que je suis sur le terrain, je suis content. Merci Dorian, félicitations. Allez, voilà, donc on l'a entendu, hein, le mot qui revient, c'est phase finale. Donc voilà, c'était clairement l'objectif aujourd'hui. Il est rempli, la manière, on l'a entendu. C'était pas forcément ce que les joueurs niçois attendaient, les ingrédients n'étaient pas tous forcément là. Mais au final, l'objectif est rempli et les Niçois sont en phase finale. Et on l'a dit, hein, vont peut-être, en cas de victoire la semaine prochaine face à Chambéry ou face à Suresnes, ils pourraient peut-être s'assurer une cinquième place et un adversaire un peu moins, donc peut-être le deuxième. Mais dans ces phases finales, il n'y a pas de petits adversaires. On l'a vu l'année dernière avec la réception de Narbonne qui finit sixième des phases finales et Nice premier. Et ils sont venus ici s'imposer en demi-finale. Donc, ouais, en fait, ils étaient venus quatrième hein, parce qu'il n'y a pas eu de. Ouais. Enfin, le championnat avait été écourté de mémoire. D'ailleurs, c'était Dax qui avait fini sixième. Mais de toute façon, il n'y a pas de. Allez, Ben Moses. Ben, victoire compliquée, mais victoire impérative. Oui, c'est ça. À la fin de la saison, on veut courir l'effectif pour les phases finales. Et là, on a fait. Malheureusement, on n'a pas joué un bon match. Encore les erreurs, comme j'ai dit à Valence. On a besoin de vérifier ça. Parce que si on joue contre les grandes équipes, Marcy, Albi, Valence encore, on ne peut pas jouer comme ça et gagner. Alors, on a besoin de faire les choses en entraînement pour arriver en phase finale en show. On t'a beaucoup vu en défense aujourd'hui, tu n'as pas eu beaucoup de ballons pour attaquer, est-ce que c'est un peu frustrant? C'est sûr, quand une belle journée comme ça, le code 2 heures, on veut toucher la balle, mais si tu ne peux pas nettoyer la roque, tu ne joues pas avec la balle. On a fait ça bien contre Valence, mais aujourd'hui on fait un pas devant et après un pas derrière. Alors. Dernière question maintenant, selon toi, est-ce qu'il faut aller chercher cette cinquième place pour essayer de grappiller peut-être Soyo ou Albi et éviter Valence ou peu importe? Franchement, je m'en fous. Le phase finale, c'est un match pour gagner le barrage. Après, c'est un match extérieur à domicile et si on est du monde dans la tribune, tout peut faire. Merci Ben. Merci à vous. Ciao. Oui, Ben a raison, a bien résumé les choses. En fait, cinquième ou sixième, de toute façon, on va devoir aller se déplacer. Donc, et on se déplacera chez une équipe qui sera costaud, quoi qu'il arrive. Donc, pas sûr qu'il y ait vraiment de gros enjeux à monter ou à gagner une place. En revanche, à se préparer, à progresser et à poser des problèmes à toutes les équipes, là, c'est effectivement un vrai intérêt. Voilà ce que cette victoire offre surtout aujourd'hui, c'est la possibilité aux Niçois de préparer ces phases finales qui, on le rappelle, débuteront le 15 mai avec un peu plus de tranquillité et moins de pression. Voilà, il y aura ce déplacement la semaine prochaine à Chambéry, on le rappelle, concurrent direct. Donc ça permet de se déplacer à l'extérieur. On le sait, en phase finale, Nice terminera soit 5e ou 6e du classement et donc se déplacera. Donc c'est vraiment l'occasion parfaite sur les deux prochains matchs, donc Chambéry la semaine prochaine et Suresnes à domicile dans 2 semaines, de préparer au mieux ces phases finales. Oui, certainement, et puis certainement aussi pour certains joueurs de se montrer à leur avantage et d'essayer de gagner leur,
leur place pour ces matchs de phase finale qui sont ceux qui seront certainement les plus intéressants de la saison. Et voilà, ben on va vous quitter. On vous remercie d'avoir suivi ce match sur l'antenne de BFM Côte d'Azur. On espère que vous êtes régalés comme nous avec cette belle météo et ce beau match de rugby. Maurice, je te remercie. On remercie les équipes d'Alexandre Debache à la production. Et on vous donne rendez-vous dans deux semaines, ici, face à Suresnes, pour le dernier match de phase régulière. Merci, Anthony. Allez, à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.